Salut à tous, aujourd'hui je vais répondre à une nouvelle question con sur le jeu Dofus et cette question vient de Yolo Yorder. Pour la prochaine vidéo, combien de fois se déplace en moyenne un groupe de monstres en, allez, 18 minutes? 18 minutes, quel était le temps de référence des Doppels, des 17 Doppels de la dernière question con? Je le rappelle pour ceux qui ne l'ont pas vu. Si vous voulez la revoir, n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien qui est en dessous cette vidéo. Et alors, on va faire pour cela un groupe de monstres en les 10 minutes. En moyenne, il y a une carte. Sur une carte, là, il y a 3 monstres. Donc, il y a un petit groupe, un moyen groupe de 4 et un gros groupe de 8. Il est 16h15. Donc, on va aller jusqu'à 16h33. Ça fera 18 minutes. Et pour voir combien de fois se déplacent les monstres. C'est parti. Alors. Ah, le moyen groupe a bougé une fois. Intéressant. On attend. Le gros groupe a bougé une fois. Hein, c'est le groupe là. Peut-être mettre en transparent. Non, ça va faire dégueulasse. Et le petit a bougé une fois. Ok, donc ça se déplace assez vite quand même. On va avoir une deuxième fois. Après, j'accélérerai. Donc là, le moyen groupe a bougé une fois. Donc ça va être en. Je pense que ça va être en rond en fait. Ça tourne en rond. Non? Je ne sais pas. C'est une supposition. Alors. Ah non, le petit. Puis le moyen. Puis le grand. Allez, je continue de noter ce travail formidable et on se retrouve tout à l'heure pour le verdict. Voilà, il reste plus qu'une minute, on va la faire ensemble pour clôturer cette petite session de 18 minutes de regarder les déplacements des monstres et on va voir après ensuite les résultats de cette petite mesure. Hein? Ah, j'ai hâte de voir de comparer tout ça. Alors, ah, il est 33, j'ai le slash time, on va juste attendre le dernier déplacement. Voilà, c'était le moyen groupe qui a bougé à l'instant. Maintenant, passons aux résultats. Voilà, j'ai fait donc les calculs concernant donc les déplacements des trois groupes qu'on surprésent sur cette carte. Alors, le petit groupe, c'est-à-dire le petit corailleur là qui est tout seul, niveau 41, il s'est déplacé en 18 minutes, il s'est déplacé 32 fois. Le moyen groupe constitué donc de ce corailleur, du palmifleur Malibu, du Crustorail, Morito et Malibu, ce groupe moyen s'est déplacé 35 fois en 18 minutes, comme il avait un peu plus la bougeotte que l'autre. Et le grand groupe, donc les 8 monstres qui sont là-bas derrière, eux, ils ont bougé 34 fois en 18 minutes. Donc on peut dire qu'il y a environ une moyenne de 33,6 déplacements
pas en toutes les 18 minutes sur les cartes, donc en tout cas sur la plage de Tomai. Voilà, je pense que c'est quasiment à peu près pareil sur toutes les cartes du jeu, vu que, à mon avis, c'est codé de la même façon pour le déplacement des monstres, je pense, en tout cas, vu que c'est un jeu, voilà, je pense que c'est codé de la même façon derrière. En tout cas, je suis assez surpris des résultats. Je pensais que. Alors. Je suis assez surpris, oui et non. Alors, soit, moi, personnellement, je vais vous dire ce que je pensais. Soit je pensais que c'était exactement pareil. Je pensais que c'était quasiment un tour de rôle qui se déplaçait. Donc, le petit groupe, puis le moyen, puis le grand, puis le petit, puis le moyen, puis le grand, etc. Ou alors, il y avait des petits décalages à peu près comme ça, ouais, mais. Ou plus un que l'autre, ou peut-être plus le petit que l'autre. Et ben non, pas du tout. Ou alors, c'est totalement aléatoire, totalement comme ça, mais en tout cas. Environ une moyenne de 33, on va arrondir à 33 déplacements en 18 minutes. Voilà, j'ai la réponse à ta question, monsieur YOLO Yorder. Voilà, donc j'espère à tous que cette petite question con vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si, vous voulez, si vous avez d'autres questions con, bah, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires hein, pour que je puisse répondre dans la prochaine vidéo. Voyez, maintenant vous commencez peut-être à voir un petit peu le système, comment ça marche, et je répondrai donc à la prochaine question con. Dans une semaine maintenant, je vais faire une question con sur le jeu d'office par semaine, vu que je reçois pas mal de questions, je me dis tiens, ça intéresse des gens, donc c'est cool. Et moi, ça me fait plaisir de me faire chier 18 minutes sur une carte. Voilà, j'adore ça, c'est mon dada. Tiens, le jeudi après-midi, je sais pas quoi faire. Allez, on se pose 18 minutes sur une carte et on attend. Non, en tout cas, non, c'est super. Merci à tous pour vos encouragements et vos questions sur la chaîne. En tout cas, nous, on se retrouve très vite et très prochainement pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce vert. Et à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux qui apparaissent actuellement à l'écran. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Ciao, bye bye!